حنا رجعنا حنا رجعنا للبلاطو ديالنا في مقال المتحف الفن الافريقي المعاصر. كنا كنسمعوا الوثائقي راديوفوني الايقاعات المخبيه ريتم انفيزيبل اللي طورناه حنا مجموعه الامهات الموهوبات مع اناري موندو في دار بلاش في ورشه درناها في شهر 11 2019. Nous venons d'écouter Rythme Invisible de Anna Raimondo, un documentaire radiophonique que Anna a créé avec les mamans douées de Darbelerge à travers un atelier développé en novembre 2019. Donc on vous retrouve depuis le Makal. Makal. شنو هي الذكريات اللي بقاو عندك في هذه الورشه اللي درنا مع أنا ريموندو؟ اللحظات اللي بقات راسخه لي في الدماغ ديالي مع أنا ريموندو هي ملي كنا كنسجلوا في واحد الرياض. دخلت انا للرياض، هي سدات الباب خرجت للدريبه كتسجل. كنا كنديروا مقاطع اندلسيه، كنديروا مقاطع من قصائد الملحون، وكنديروا الموشح. هي ملي كنت أدي كنأدي أنا الأندلسي، هي بقات عجبها الريتم ديال الأندلسي وبقات عايشة مع، لدرجة أنها ولات كتقولها السيدة اللي معاها أن حنا راه سالينا التسجيل، وبقى عجبها مزيان هذاك اللحظة ديالنا. دونك فاطمة دوموندي أمينة quels sont les souvenirs qu'elle garde du moment passé avec Anna pendant cet atelier. Et Amina répond que particulièrement, elle se souvient de quand ils ont enregistré des morceaux de musique andalouse et de mouchahat. Et elle se rappelle comment Anna était touchée par la beauté de cette musique, de notre musique. Et comment, à la fin, elle voulait pas, elle voulait, alors que la séance devait finir, mais elle voulait pas, elle voulait rester et écouter encore. Arti Fatima, on t'y est parlé que rassure de ma communique intime à Anna Raimondo. أنا اللحظة الأولى فاش كنا في قاع الدار في مؤسسة الدار بلاج، أول مرة قالت لنا غمضوا عينيكم وتصمتوا أش تسمعوا، كل وحدة في البنات أش تقول، كل وحدة أش قالت. والحاجة الأخرى الثانية اللي بقات لي في الذاكرة ديالتي هو أننا فاش خرجنا للزنقة قالت لنا تصمتوا وكتبوا فريقة، تصمتوا اللي تصمتوا لي كتبوا فريقة. ومني جينا دخلنا المؤسسة لقينا بأن كل وحدة قالت أش سمعت، وحدة مختلفة على الأخرى كل طريقة السمع ديالو. ولكن وحاجة وحدة زوينة اللي تعلمنا هو أننا كيفاش نسمعوا، نسمعوا حاجة زوينة ماشي شي حاجة. دونك أمينة repose la même question à Fatima. Et Fatima répond que ce qu'elle garde de ce travail avec Anna, c'est vraiment la capacité d'écoute et la réception, et comment elle a appris à prendre le temps pour écouter les sons et les ambiances qui l'entourent. Et comment chacune des femmes avait une perspective différente et remarquait des choses différentes, qu'elle n'écoutait pas la même chose. الآن غادي تواجد معنا الدكتورة ليلى بوعسرية. مرحبا بك أستاذة ليلى. الأستاذة ليلى بوعسرية أستاذة باحثة في علم الاجتماع في جامعة الحسن الثاني بعين الشق الدار البيضاء. البحث ديال الدكتورة ليلى كيتركز على كيفاش العاملات المغربيات في كازا كيتملكوا الحيز الحضاري وخا ظروف عملهم كتكون مهينة ومستغلة. مرحبا بالدكتورة ليلى بوعسرية. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو
شكرا 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 لكم. ما عرفتش واش كنت تسمعوني مزيان السيده ليلى؟ كنسمعوك. Bien, alors je tiens tout d'abord donc, à féliciter Amari Mondo et toute l'équipe hein, pour ce travail. Je remercie les mamans, les Mahat Koulom, les Kainin, Rachida Latefa, Amina, Mina, Nadira, Fatima, Zahra, Marine Swed. Leur voix nous ont vraiment emporté. Et le rire était tellement expressif, donc je les remercie beaucoup d'avoir décrit avec tellement de lucidité leurs différentes expériences. Donc, j'ai aussi beaucoup aimé l'idée d'un féminisme à travers une approche orale et auditive. On voit ce que le paysage sonore public peut nous dire de nos luttes quotidiennes et qui sont au fait très personnelles, qui renvoient à des expériences uniques de chaque femme. Je pense que quand Anna disait à la fin du documentaire « Je suis une femme qui veut décoloniser son féminisme », effectivement là elle souligne bien le fait qu'il y a plusieurs façons de raconter son féminisme et que ces manières changent, pas seulement d'une culture à l'autre, mais aussi d'une femme à l'autre. Et je trouve que voilà, c'est une remise en question intéressante de cette sorte d'uniformisation, d'homogénéisation du groupe femme, parce qu'on est face à des parcours qui sont différents, des vécus qui sont différents aussi, et une idée au fait qui est au cœur du débat entre un féminisme dit universaliste et différentialiste. Et puis donc à travers cette écoute, on voit qu'il y a une exploration des différentes possibilités de ce vécu féminin et féministe. Il est vrai que ce sont seules les femmes concernées qui peuvent finalement en rendre compte. Donc on attend et on entend dire à travers cette écoute aussi que, donc c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, je précise malgré comme la manière dont on m'a présenté comme étant, non, je n'ai pas je ne porte pas la voix de l'experte, je partage très spontanément mon interprétation du documentaire qui est bien sûr à discuter. Et donc cette écoute aussi m'a renvoyé au fait que le féminisme n'est pas seulement, en fait, n'est pas de pointer du doigt la domination dans un rapport, je dirais, conflictuel à l'autre, mais d'expliquer ces différentes manières d'être libre et de s'affranchir du poids des normes qui ne nous conviennent pas ou perturbent notre quotidien. Donc, il ne s'agit pas d'attraper quelque chose, de vouloir la repositionner à l'endroit qui nous semble le plus approprié selon la norme sociétale, mais de laisser, là, Anna le dit très bien, cette distinction entre le dehors et le dedans, les différenciations qui d'habitude nous paraissent normales, visibles, invisibles, publiques, privées. Donc laisser toutes ces oppositions se perdre dans les sons, les voix de toutes ces femmes que nous avons écoutées et qui racontaient de manière magnifique en fait, leur féminisme, chacune à sa façon. Donc je vois que voilà, il y a deux choses, si on veut, il y a plusieurs choses hein, qui ressortent du document, mais bon, il y a deux choses qui vont sur lesquelles peut-être que je pourrais revenir même plus tard pour élaborer un petit peu plus l'idée. C'est bon, cette question de visibilité, d'invisibilité des femmes dans l'espace public, et puis il y a cette question d'identité de genre et toutes ces perceptions qui sont liées. Parce qu'il y a cette question qui est reprise à chaque fois. Quand on dit comment les femmes, à quoi pensent les femmes en fait, à quoi on pense quand on entend la femme, donc je trouvais très intéressant Amina, donc la première qui a pris la parole et qui a tout de suite renvoyé à la place des femmes dans nos vies, des places qui sont faites très mouvantes, qui ne sont pas figées. Quand elle réfléchit, donc Amina, à ce qu'elle entend par femme, elle a évoqué la mère. Elle a tout de suite évoqué la mère, la voisine, la sœur, la grand-mère. Et je trouvais ça intéressant parce qu'elle n'isole pas le féminin, finalement, du masculin, mais elle a situé le féminin dans un ensemble de liens interconnectés. Je suis la mère de telle, je suis la sœur de telle, la voisine de telle. On voit une déconstruction d'une certaine dénomination sexualisée, je dirais, liée au féminisme, même en tant que terme, déjà, parce qu'il l'emploie, il ne renvoie pas au versant masculin. Et donc, Amina, elle restitue cette expérience féminine dans un contexte plus large, qui ne peut être saisi justement que quand cette expérience est au cœur des différents rapports sociaux.
D'ailleurs, et d'ailleurs, c'est la première fois que je fais, et je remercie vraiment toute l'équipe, Anna, de m'avoir permis de vivre cette expérience à travers l'écoute et de voir un peu comment elle stimule la réflexion, parce que ce qui est intéressant dans cette approche auditive et sonore, c'est que même les sons, quand ils nous parviennent, ils s'entremêlent les uns aux autres. C'est-à-dire, on a écouté le son des hommes, des femmes, la voix des hommes, des femmes, des enfants, le bruit des pas, de la nature. Et tous ces sons, en fait, on ne pouvait pas les séparer les uns des autres. Et les femmes existent aussi dans un contexte, dans un environnement particulier. Elles font partie d'une configuration de liens, de rapports. Elles sont aussi présentes dans des espaces où on ne les voit pas. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que dans le documentaire, on écoutait même le silence. Parce que finalement, les liens qui nous lient à ces femmes, on les porte en nous, hein, même s'ils ne se matérialisent pas forcément par une présence physique, c'est-à-dire par une visibilité. Et je trouvais que cette idée, donc, il y a tellement d'idées sur lesquelles on peut revenir, mais cette idée déjà m'a frappée, c'est-à-dire le fait d'associer la féminité à la maternité, comme ça, au début du temps, là, en écoutant Amina, et surtout en disant, quand tu ouvres les yeux, tu les ouvres sur une femme. C'est-à-dire la première des choses sur laquelle tu ouvres les yeux, c'est une femme. Donc cette association de féminité à la maternité est pensée comme, quand on dit tu ouvres les yeux, c'est une femme, donc c'est une association qui est pensée comme une réappropriation d'une puissance qui est celle d'être mère. C'est-à-dire que la manière de parler de la maternité n'est pas présentée comme une injonction, comme une domination. C'est vrai que c'est très écoféministe comme idée, mais on remet à l'honneur la maternité pour répondre à la question qu'est-ce qu'être femme ? Et c'est rappeler ce pouvoir incroyable de vie, au fait aussi, qui est le pouvoir de reproduction. Et là, pourquoi je voulais souligner cette question ? Parce que elle est beaucoup discutée aussi dans le féminisme décolonial auquel a fait allusion Anna, parce que même quand c'est assimilé, quand on assimile le féminin à la nature, on le fait pour s'approprier finalement un pouvoir. Hein, la liberté dont parlent souvent ces femmes dans le documentaire n'est pas seulement pensée au regard d'un affranchissement de tout ce qui est naturel. Hein. Ça nous renvoie à tout ce débat féministe entre le culturel, le naturel, etc. Et puis bon, donc il y a cette idée d'un côté. Et puis il y a aussi il y a beaucoup de constats au fait qui sont faits tout au long du documentaire par rapport à une réalité vécue au quotidien. On voit que voilà des témoignages qui renvoient à ce sentiment d'insécurité que les femmes ressentent dans l'espace public, la peur, je marche et puis j'ai peur d'être suivie par quelqu'un, le sentiment le fait de percevoir aussi l'espace public à des moments et à des endroits comme dangereux. Il y a des endroits aussi où il n'y a que des hommes, où on ne sait pas entrer, comme l'exemple du Thunder qui a été donné par les mamans. Donc moi je pense que, mais alors ce qui est intéressant par contre, c'est le documentaire, dans le documentaire, la présence des femmes dans l'espace public. C'est une présence qui est décrite comme n'étant pas une présence formelle, circonscrite dans un espace utilitaire ou professionnel. Parce que souvent dans la littérature sur l'espace public, dans la littérature sociologique, quand on parle de la présence des femmes dans l'espace public, c'est toujours c'est des femmes qui doivent justifier leur sortie, elles doivent les cantonner dans des espaces et temporalités particulières, elles le sortent pour faire quelque chose de... Quand elle a un motif valable pour aller visiter sa famille, c'est-à-dire elle ne peut pas flâner, l'espace public conjugué au féminin n'est pas un espace de déambulation. Et là, c'était intéressant parce que dans le documentaire, on voyait que les femmes sont à l'extérieur pour vaquer à leurs loisirs, pour faire du sport, même des sports qui sont dits masculins, partir en excursion. L'espace public n'est pas perçu comme un lieu synonyme d'une oisiveté qui est coupable et je dirais même culpabilisante. D'ailleurs, Rachida, quand elle fait du sport, c'est une pratique qui peut ne pas paraître habituelle, des sports qu'elle nomme, elle, des sports d'hommes. Elle contient cette idée de lutte quand elle formule son idée, parce qu'elle précise qu'elle veut montrer aux femmes qu'elles peuvent avancer, faire comme les hommes, pratiquer les mêmes sports que les hommes. Et puis, Rachida, alors, justement, quand elle est présente dans l'espace public, elle négocie aussi sa présence auprès de son mari, parce que c'était intéressant quand elle a dit que voilà, avec mon mari, « Ana hurra ou kha andiraj ».
Donc, c'était intéressant parce que aussi, elle parlait de Rachida, il y a que Rachida, le système d'Yali, il y a un système d'Yali. Le mari est censé accepter un système. Donc, elle doit se sentir, elle dit, donc elle se sent libre en couple parce qu'elle refuse toute restriction sur ses déplacements. Et c'est intéressant de voir comment se négocie cette présence dans l'espace public. Et là, ça fait allusion à l'idée que selon laquelle les femmes, quand elle passe aussi du statut du célibataire à marié, il est supposé changer de système, c'est-à-dire s'adapter, être plus présente au foyer. Et là, Rachida nous apporte un témoignage différent parce que, et c'est intéressant parce que ça nous montre un peu toute cette négociation qui se fait par à-coup selon les situations. Donc, les rôles genrés sont de moins en moins socialement préconstruits, mais deviennent négociables au sein des couples. Donc, cette liberté, moi, je trouvais magnifique de faire ressortir cette idée que la liberté est décrite dans sa capacité de remettre en question un ordre établi normé, dans sa capacité de négociation, pour sortir d'un cadre que nous imposent les rôles sociaux socialement acceptés. Et la liberté, c'est aussi décrite comme quelque chose pour laquelle il faut lutter, qui s'arrache, parce que c'est intéressant la phrase quand on dit « donc, ça décrit l'idée d'une situation qui est ouverte au changement quand on ose imposer sa volonté et s'affranchir des normes au fait, qui se vont à l'encontre de cette volonté. Voilà, donc peut-être que je pourrais revenir un peu, juste pour ne pas monopoliser la parole, je pourrais revenir peut-être plus tard sur d'autres points liés à l'invisibilité, l'espace public, etc. Oui, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. C'est pas facile. Alors, Madame Leïla Bouesselia disait déjà qu'elle se sentait très touchée par ce qu'elle appelle... Oui, parce que c'est plus facile. Donc, Oustad Leïla, qu'est-ce que vous avez dit? Aoul Chey, elle a حسات بزاف بالفكره اللي دفعت عليها انا اللي هي واحد النسويه شفهيه وسمعيه يعني كنعاودوا قصص نسويه من منظور شفهي وسمعي استاذه ليلى كذلك كتحس براسها قريبه من تحرير النضالات النسويه من الاستعمار يعني خلق ولا تبني نضالات نسويه محليه اللي جاء الأستاذة ليلى مهم في الوثائقي هو أنه كيوصف لنا واحد المسارات متعددة وتجارب مختلفة وواحد طرق ديال العيش وديال النظرة لأشنا هي تكون امرأة مختلفة شوية على النظرة اللي عندنا على كل ما هو مقبول اجتماعيا دونك كان بعد الأستاذة ليلى كتهضر على الفكرة ديال المرئي والغير مرئي يعني الحضور البصري ديال النساء في الحيز الحضاري وعلى الهويات الجندرية ولا هويات النوع وهنا كتقول مثلا فاش أمينة كتهضر على ما كانت المرأة في الحياة وكيفاش أن أمينة كتهضر على المكانة ديال المرأة في الحياة نتاع كل نهار بواحد الطريقة اللي ما كتبانش لينا متحجرة كتهضر مثلا على أمها كتهضر على المرأة كأم كجارة كأخت وبالتالي الأنثوي كيولي والمرأة كتولي مرتبطة بواحد النسق ومرتبطة بواحد المنظومة ديال العلاقات اللي ما كيبقاش فيها الأنثوي منعزل وهنايا كنشوفوا واحد النظرة لا جنسية لكل ما هو أنثوي ولا نسائي اللي عجب ايضا الاستاذه ليلى هو كيفاش الاصوات كيتشابكوا مع بعضياتهم في الدوكيومونتير كسواء اصوات رجاليه ولا نسائيه وكيفاش العيالات حضرت في فضاءات اللي بطريقه نقدروا نقولوا من واحد المنظور عادي ولا منظور منتظر ما كيكونوش حاضرين في الحيز الحضاري
هنا مثلا كتهضر كذلك الاستاذه ليلى اللي كدافع الافكار ديال كيفاش الامهات هضروا على النضالات النسويه ولا على الانثويه في ارتباطها بالامومه وكيفاش انهم هذه الفكره ما كتخلقش لهم مشكل بحال كيف كاينه في نضالات نسويه اللي نقدروا نقولوا عليها عالميه ولا غربيه اللي كاين المشكل مع كاين واحد المشكل مع الامومه حيت كيتنظر ليها على انها واحد تتفرض سيطره على اجساد ديال النساء. يعني هنايا الاستاذه كتقول انها متفقه 100% مع النظره ديال الامهات وان هنا بالعكس كنخرجوا من هذوك المتضادات ديال الثقافي والطبيعي وكان كنقبلوا الطبيعه وفي نفس الوقت كنعتبروها جزء من الهويه ديالنا. من بعد الاستاذه كتهضر على كيفاش بعض الامهات تهضروا على الحيز والفضاء الحضري كخطر كواحد الفضاء اللي كيكون فيه الخطر بالنسبه للعيالات. وهنا كذلك كتقول لنا الاستاذه انها كانت من واحد الناحيه ما كانتش كتنتظر انها تسمع كيفاش الامهات ما كيهضروش على انهم دائما كيخصهم يلقاو واحد السبب ولا انهم دائما خصهم يبرروا علاش كيخرجوا للزنقه علاش كيدوروا في الزنقه علاش كيديروا السبور. هنايا الفضاء الحضاري النساء متملكينه بطريقتهم الخاصه كل وحده بطريقتها. هنا كذلك هضرات على كيفاش المجتمع المغربي بصفه عامه النساء ملي كتبدل الحاله العائليه ديالهم ملي ما كيبقاوش عازبات وكيتزوجوا حتى علاقتهم مع الفضاء الحضاري والحيز الحضاري ومع الشارع كتبدل بطريقه كتبدل تماما. ولكن او ميم طون هنا في الوثائقي بحال مثلا امينه فاش كتقول كيف هضرات هادشي كان دائما كنترجم من وجهه نظر الاستاذه كيفاش امينه كتقول انا مجوجه وهذا ولكن انا عندي السيستم ديالي وخصني نخرج وندير الرحلات وهذا. الاستاذه كتقول ان هادشي كيبين ان الادوار اللي مبنيه على النوع ولا على الجندر ما بقاش عندها واحد البناء ما قبلي. يعني ما بقاش عندها بناء جاهز هي غاديه في تطور وفي تحول دائم. ايوا هادشي اللي طلع جو ليس انا est-ce qu'elle est mutée? Allô, Gail. En fait, avant tout, Rim, merci énormément pour ton travail titanique. Merci beaucoup à Leila pour son retour si riche et inspirant. Et avant de réagir à ce que je viens d'entendre dans la lecture de Leila, je tiens énormément à saluer Meriem Swed, que ça faisait longtemps que je n'avais plus vu. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'elle écoute les documentaires. Donc, si à un moment donné, elle veut dire quelque chose, ça serait juste génial parce que je sais que les mamans avaient déjà écouté les documentaires, mais Meriem, je n'arrivais pas encore à la contacter. Donc, je suis vraiment contente que ça ait été aussi l'occasion pour Meriem d'écouter les documentaires. Moi, j'aime bien faire quelque chose aussi à la radio, qui peut-être parfois peut être vu pas trop beau, pas trop formel, mais j'aime bien faire des salutations. Je sais que maintenant, il y a une très chère amie à l'écoute, qui est très liée aussi à ce projet, qui est Adia, et donc je me permets de lui faire un coucou à l'écoute d'où elle est maintenant. Et je reviens à ce que Leila lisait, interprétait du documentaire. En effet, il faut dire que, comme je vous disais au tout début, en fait, Rythme Invisible Marrakech, c'est une étape d'une recherche sur le long terme et que j'ai fait aussi dans d'autres géographies, toujours avec cette envie d'explorer les territoires à partir
d'une perspective, si on peut dire orale, donc d'une approche plutôt orale, auditive, plurielle et genrée. Et notamment, en fait, ce que je trouve super intéressant, moi, je n'ai aucun désir d'objectivité, mais c'est clair que, comme vous savez, l'art aussi produit de la connaissance, et donc une connaissance complètement située, si vous voulez. Mais je peux dire que, comme vous le soulevez, il y a effectivement des expériences communes, je n'utilise jamais les mots universels, mais communes, n'importe où, que ce soit Valparaíso, Chili, à Santa Cruz, à Tenerife, plutôt qu'à Rome, plutôt qu'à Bruxelles, il y a souvent cette sensation d'insécurité qui revient dans certaines parties de la ville plutôt que dans certaines hors de la ville par rapport à l'espace public. Un autre aspect qui revient, que vous avez aussi, je crois, mentionné, c'est souvent la relation, disons, entre guillemets, un peu plus fonctionnelle que les femmes, je parle au pluriel, peuvent avoir avec l'espace public. Mais c'est que, à moi, ça m'intéresse vraiment, quelque part, de piocher, de mettre vraiment en évidence et faire écouter et partager à l'écoute, c'est justement les expériences subjectives et uniques de chacun de nous. Vous avez soulevé, en fait, au tout début de votre introduction, de votre lecture du travail, que vous avez entendu différents modes d'être libre. À ça, on peut ajouter différents modes d'être femme, de se définir femme, d'habiter ces mots ou même de s'en embarrasser quelque part. Et que ce que je trouve extraordinaire, c'est que vraiment, je trouve que par rapport, c'est ça que ça, les interviews, en fait, les moments de rencontre entre femmes, et quand j'utilise ces mots, je l'utilise toujours au pluriel, et j'inclus carrément aussi les femmes qui ne sont pas biologiquement femmes. Je trouve que c'est extraordinaire, en fait, entre nous, c'est pouvoir justement remettre en question qu'est-ce que ça veut dire être femme, qu'est-ce que ça veut dire se définir femme. Et je trouve que c'est quelque chose que peut-être on pourrait aussi, entre nous, maintenant je dis dans cette sorte de ping-pong, essayer aussi d'explorer. Je trouve, en fait, pour le dire en deux mots, que c'est que je trouve intéressant dans cette approche orale, c'est vraiment pouvoir écouter la fragilité des universalismes. Et donc, tout à l'heure, vous avez mentionné aussi les féminismes décoloniales que j'ai aussi cité dans les documentaires. Peut-être ça pourrait être intéressant, si vous êtes d'accord, que quelque part on partage qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça avec ces définitions. Moi, je pourrais dire en deux mots, en fait, je suis blanche, je suis européenne, mais méditerranéenne, il faut quand même le dire. Et je me rends compte qu'en fait, dans ces 20 ans de féminisme, de plus en plus, je me suis éloignée de toutes les formes de féminisme dogmatique et blanc qui parle de la femme comme si c'était un concept universel. Et je me suis toujours de plus en plus approchée à toutes les formes de féminisme qui, quelque part, complexifient ces mots dans une approche intersectionnelle, c'est-à-dire voilà, la femme toute seule, ça veut rien dire. La femme des classes bourgeoises, ça veut dire quelque chose. La femme blanche ou racisée, ça veut dire encore une autre chose. Tous ces adjectifs font d'une personne quelqu'un de précis et de précieux. Et donc, ça, aussi à niveau de lutte sociale, non? On ne peut pas parler de la lutte de la femme, mais plutôt des luttes des femmes. Et pour moi, en deux mots, le féminisme décolonial, quelque part, manifeste l'importance éthique, les devoirs éthiques que nous avons aussi en tant que femmes blanches, mais pas que, de reconnaître la légitimité et quelque part l'être précieuse de chaque lutte des femmes qui peut être très différente selon les contextes géographiques et culturels qui sont. Et j'aimerais bien savoir votre point de vue sur cet féminisme décolonial. Donc, قبل ما نعطيو الكلمة للأستاذة ليلى, غير vite fait, نترجم vite fait شنو تقال. Donc, أنا متفقة معك على حساب المقاربة الشفهية والمقاربة السمعية اللي هي من الحوايج اللي كتخدم عليهم في عملها كفنانة بصفة عامة, على مقاربة النوع كذلك اللي هي مهمة بالنسبة لها,
قالت كذلك أن في الوثائق المرأة الدور ديال المرأة دائما كان كيعرفوا به النساء في هذه الوثائق على أساس الوظيفي، يعني شكون هي في واحد المنظومة. من بعد كتقول أن الحوايج اللي كيهموها بزاف هما جوستومون التجارب الشخصية والتجارب الذاتية، ما كتقولش أنها كدير شي حاجة اللي كتهضر على الحقيقة ولا على الواقع، هي كتهضر من انطلاقها الخاص ومن انطلاق تجارب النساء، وكتركز تماما على حاجة أخرى اللي هي الفيلم الوثائقي كيورينا بزاف الأوجه ديال النساء كيفاش تكوني امرأة بعدة طرق، وهذا الشيء كتدخل فيه حتى النساء اللي ما تولدوش بيولوجيا كنساء. السؤال دائما اللي تابع أنا في خدمتها هو أشنو هي، أشنو كيخلينا نكون عيالات، أشنو كيخلينا نكون نساء، أشنو اللي كيحدد المرأة. كذلك كتقول واحد الكلمة غنقولها بغيفمون على النضالات النسوية المتحررة من الاستعمار واللي أنك تلقى راسها فيهم، اللي واخا هي بيضاء أوروبية من بزاف ديال الوقت لقات راسها أنها كتحس براسها قريبة أكثر من واحد المقاربة تقاطعية، يعني واحد المقاربة اللي ما كتشوفش في النساء كنساء فقط، ولكن كنقولوا امرأة كتنتمي لواحد الطبقة اجتماعية معينة، واحد الطبقة ثقافية معينة، واحد البلاد كتنتمي إما للمدينة ولا للبادية. يعني هذا الشيء كامل كيحدد لنا النضالات النسوية ديال دوك النساء. كنخدموا على المفهوم التقاطع اللي هو راه مراه بوحدها ما كتعني حتى حاجه، يعني مراه برجوازيه راه ما عندهاش نفس الاهتمامات ونفس الظروف ونفس الاحتياجات ديال مراه عامله ولا مراه في الدار ولا. دونك انا كتحس براسها انها قريبه بزاف من هاد من النضالات التحرريه، النضالات النسويه المتحرره من الاستعمار، واللي كنلقاوهم في المغرب ولا كنلقاوهم في امريكا اللاتينيه ولا في افريقيا ولا في بزاف ديال الدول. فوالا استاذة ليلى. ميرسي بوكو، ميرسي انا، ميرسي ريم. alors en fait je pense hein dans cette question en fait de féminisme décolonial est revenu un peu dans ma première intervention, je pense cette remise en question de l'homogénéité du groupe femmes, le fait aussi de donner un peu enfin de donner la parole à des femmes concernées par leur lutte, hein, pour décrire leur lutte au quotidien, rendre compte aussi au fait de manière très subjective et qui les concerne et qui leur est unique et personnelle de leur lutte au quotidien. Alors, ce que j'ai peut-être pas cité tout au long, c'est vrai que bon, c'est ce que Anna vient de dire, c'est cette idée de convergence de lutte. Voilà, c'est des luttes qui convergent. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le féminisme si on le sépare au fait des rapports de classe. Et donc, il y a cette intersection entre... Et ça aussi, je l'ai dit peut-être, je ne l'ai pas nommé, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de la manière dont les sons, justement, s'interpénètrent entre eux et comment, justement, la femme se retrouve au cœur de plusieurs rapports. Donc, quand je dis plusieurs rapports, c'est pas dans tous les liens, dans les rapports de liens sociaux, à travers les différentes catégories sociales, ces interactions avec les différents contextes, etc. Alors, je voulais revenir aussi sur une question intéressante, parce que quand on est à l'écoute de la Médina, et on le dit dans le documentaire, alors Rachida quand on dit qu'elle c'est qu'il y a une sorte de gel vraiment qu'il y a une sorte de gel qui tra à la sorte de gel, bon, la visibilité, on voit que les femmes on les entend, les hommes on les entend beaucoup plus, et c'est vrai que quand on prête l'oreille c'est très intéressant parce que on voit qu'on entend des commerçants hommes passer vendant leurs marchandises, voilà, appeler leurs clients, et ça nous renvoie tout de suite assez à cette question de métiers qui sont souvent dans la majorité du temps exercés que par des hommes, parce que justement leurs caractéristiques techniques et symboliques sans penser comme naturellement attachés au masculin. Donc, voilà, la présence dans la rue, la présence dans la rue, le fait de crier, d'appeler les clients, c'est masculin. Donc, voilà.
Et alors Mariam Souad, qui est avec nous, que je salue avec toi Mariam. Alors justement, alors كنفكر هذه الكلمه هذه دائما كنت حتى ملي كنت اشتغلت انا على الموضوع ديالي مع لي دوغيير كنرجع ليكسبريسيون ديال مره ونص هاد مريم ملي مشات للجامعه لهنا دونك جو سي با دونك لي alors je vais parler et en même temps traduire donc elle est partie à جامعه لهنا et donc جمعت الفلوس قرات الفاتحه وصدقات حسن من جمعت اكثر من داكشي اللي موالفين كيجمعوه الرجاله ياك Alors, je trouvais ça intéressant l'idée de Rim Swag, Galoula, dit Amra ou Mous. Britain, even quand c'est terminé, l'expression dit Amra ou Mous, c'est comme si le processus, la transformation de rôle ne peut pas être c'est une femme et demie. Amra ou Mous, ça veut dire une femme et demie. Donc ce processus, c'est comme s'il ne pouvait pas être assumé. Ou là, le changement de rôle, ou là, de la présence dans un espace public qui est censé être juste dédié, je dirais, aux hommes. C'est comme si tout ça ne pouvait pas être assumé finalement par une identité féminine figée et unifiée. Donc il fallait trouver une autre catégorie qui est une femme et demie, qui est Mraounous, où on va venir se loger toute cette dynamique identitaire. Et je trouve toujours cette expression très, très intéressante parce que quand on dit une femme et demie, c'est schématisé comme un débordement, c'est-à-dire qui doit verser dans une nouvelle catégorie. Mmh. Et là, je me pose la question, c'est-à-dire, bon, peut-être qu'on peut dialoguer là-dessus si vous voulez. Est-ce que les marges de rôle tellement visibles, finalement, n'ont-ils pas de place dans cette identité figée ? Au point d'avoir besoin d'un autre espace d'existence. Non, mais quand Golomra ou nous, allez, je m'en prends, je Golomra. Elle dit que le quoi, Barak Marat, Barak Lali. Là, c'est Golomra ou nous. Pas de l'air, c'est un zidouat, nous, machin, drôle. Il fait, moi, avec ta houlette, dit l'adouar, les canaries chouales, et moi, le fin, je gagne, je vois l'ayalette, voilà. Je trouvais que cette analyse toujours de cette expression, mais c'est intéressant parce que on est un peu dans une catégorie intermédiaire. Voilà, on n'est ni femme ni homme, mais on est un peu entre les deux. On est une femme avec un peu plus. Voilà, donc je trouvais cette idée en elle-même intéressante. Et puis il y a autre chose peut-être que je peux relever, c'est la question de l'identité. Je ne sais pas, Marc, si vous voulez dire quelque chose tout à l'heure, j'ai dit que vous avez dit que vous avez dit l'expression de Braunus. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit ou là, comme le Hewar Diana, Marc. Je fais une petite traduction vite fait, et puis on passe à toi, Anna. Donc, أستاذة ليلى عودت رجعت للفكرة ديال النضالات النسوية المتحررة من الاستعمار وقالت أنها حتى هي كتآمن بالنضالات التقاطعية وخا ما سماتهمش بهذا الاسم هضرات كيفاش الأصوات فاش كيتخلطوا في الوثائقي كيخلقوا واحد العلاقات مختلفة واحد العلاقات جديدة بالنسبة لها كاين واحد السؤال اللي مهم اللي هو pardon اسمحوا لي هضرات على الفكره ديال 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 كيفاش مرا ونص هاد العباره ديال مرا ونص واحد العباره اللي فيها مشكل حيت بحال حنا خصنا نخلقوا واحد الخانه جديده واحد التعريف جديد اللي نحطوا فيه نساء اللي تيقدروا يديروا بحوايج كبار يديروا حوايج كبار هي كتسائل علاش 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 هاد ال... هاد ال... هاد الهويه الجديده بحال خلقنا واحد الهويه جديده اللي هي بوحدها تقدر تهز هذاك الثقل المعنوي كامل ديال المراه ونص واش والسؤال ديالها هو واش الهامش الهوامش ديال الادوار
ما كتجينش على هاد الفائض هاد الديبوردمون ما كتجينش على هاد المعنى اللي زايد على المعنى التقليدي. فوالا وعاودت سالت بالسؤال ديال الهويه وديال شنو هي مرا ونص, اش يمكننا نقولوا على الفكره ديال مرا ونص. انا En fait, je voulais rebondir sur ce que Leila soulevait tout à l'heure par rapport à la définition d'une femme et une femme et demi. Et c'est quelque chose qui ça m'avait beaucoup frappé lors des interviews, parce que souvent ça revenait l'idée que la femme est la moitié de l'homme, tandis que la femme est la société toute entière. Il avait comme une sorte de mathématiques, non, de mesures entre, carrément, complètement, vous les laissez quelque part aussi, non, entre homme et femme. Et je trouve justement que c'est intéressant aussi parce que ça met en relief comment on définit, différemment les choses. Moi, ce que j'ai adoré de la rencontre avec Myriam Swed, c'est que avec une spontanéité absolue, Myriam se défend comme femme et homme, sans devoir faire appel à d'autres définitions qui sont peut-être plus, comment dire, politiquement correctes. Ici, je parle parce que j'habite en Europe, donc je peux parler de mon contexte. Et justement, on regarde encore une fois sur cette notion de stratégie, de résistance, de résilience quotidien, de féminisme quotidien, parce qu'encore une fois, Leila et moi, on utilise ces mots parce que peut-être on se sent proche à certaines idées, mouvements, luttes féministes, mais les mamans douées et Myriam n'ont jamais parlé vraiment de féminisme en tant que tel. Et pourtant, j'ai appris vraiment des stratégies, des outils féministes, pour moi, que j'ai défini à ma façon, avec mes mots féministes. Et quelque chose aussi que j'aimerais juste un moment remettre aussi dans notre ping-pong avec Leila, c'est aussi un peu reparler de l'invisibilité. Parce qu'en fait, tout est parti, comme j'explique dans le documentaire, du fait qu'en tant que femme blanche féministe, à chaque fois, il y a cette dichotomie et des valeurs entre visibilité et invisibilité. On parle des femmes comme si c'était une catastrophe être invisible et c'était la chose à poursuivre, la visibilité. Pour moi, encore une fois, c'est un problème de mots, c'est un problème conceptuel, parce que pour moi, on oscille continuellement entre la visibilité et l'invisibilité. Combien de fois on voudrait être invisible et on est visible, et combien de fois on est invisible et on voudrait être visible? Je l'ai dit juste comme ça pour remettre la question à sa place. Cela dit, je trouve aussi que l'invisibilité est une place d'analyse super précieuse. Une place d'imagination super précieuse. Revenons à la radio, revenons à ce documentaire sonore. C'est pas un hasard que j'ai voulu travailler avec les voix et avec les sons. C'est parce que quand on entend Myriam Swed, on a les droits, en tant que personne à l'écoute, de pouvoir ouvrir nos imaginations et pouvoir aller au-delà de ce qu'on s'attend d'une voix chantée. Donc, par exemple, notamment, moi, la voix de Myriam Swed, qui pour moi, c'est une grande artiste, et moi, j'ai hâte d'écouter maintenant les concerts, c'est un extrait que souvent, j'ai fait écouter lors de mes conférences, lors de mes ateliers, parce que justement, je pense que sa complexité, quelque part, se reflète dans la complexité genrée de sa voix. Et donc, voilà, quand on l'écoute, on a mille possibilités, on n'en a pas qu'une seule. Et si on est courageuse lors de l'écoute, on peut se laisser aller avec cette voix et n'est pas forcément devoir décider si c'est homme, femme, etc., etc. Et je trouve ça quelque chose aussi de super intéressant aussi à défendre en tant qu'artiste sonore. C'est pour cela qu'en fait, je travaille avec l'écoute. Oui, alors tout à fait. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir relevé cette question. Je laisse, pardon, peut-être Rim. Oui, vite fait. Donc, avant de reprendre la parole. Vite fait. ليلى كانت كتقول ان تعريف مراه ونص بحال اللي كيقول لنا ان المراه هي غير نص الراجل, وكتقول ان اللي عجبها في اللقاء ديالها مع مريم السواد ان مريم ما بغاش تختار واش هي مراه ولا راجل, ما خلقش لها هادشي مشكل, قدو نعيطو لها مريم ولا السواد هانيه.
بغات انا بغات تعاود تهضر مع استاذه ليلى على مفهوم اللامرئيه حيت هي كامراه بيضاء ولا اوروبيه دائما كتحاول كتشوف ان اللامرئيه كنهضروا عليها بطريقه خايبه بحال انه خايب نتخباو الوغ كو ماشي مشكل نتخباو بعض المرات كنبغيو نتخباو بعض المرات ما كنبغيو حد يشوفنا زعما هذا ماشي مشكل داكشي باش هي خدمات مع بالصوت والصوت كان كيخول لها هاد الامكانات كاملين ديال ماشي بالضروره تكون في داكشي اللي بصري وتكون اكثر في اللي صوتي وكتقول كذلك هو ان اللي عجبها في مريم السواد هو ان هويتها مركبه بزاف وهذا الشيء كيبان حتى في الصوت ديالها يعني تقدر تسمع منه بزاف د الحوايج ما فيه شي حاجه وحده ماشي بالضرورة خصنا نحددو أشنو كنسمعو ولا نحددو واش داكشي اللي كنسمعوه أنثوي ولا ذكوري فوالا ليلى غير pour rebondir à ce que disait peut-être Anna sur cette question de visibilité invisibilité en revenant sur l'identité complexe de Mme Souad. Justement, alors c'est intéressant parce que pas seulement, et ça nous renvoie à une certaine présence féminine aussi dans l'espace public, mais qui est, Mme Souad, elle décide d'être présente, quand elle est présente dans l'espace public, elle fait valoir des traits ou des attitudes dits masculins. Donc à l'intérieur, elle est comme une femme, à l'extérieur, elle doit justement plus mettre en avant une attitude masculine et dite masculine, etc. Même là, ça ne revient pas seulement chez Mélenchon. Donc la TFA, quand elle marche, elle doit marcher, quand elle fait attention, elle nous donne une idée comment il faut marcher en bombant la poitrine, en gardant ce visage hostile. En Mina, quand elle parle d'une démarche, elle dit « moi je marche comme un soldat, tout droit, tout haut ». Et c'est intéressant cette opposition entre l'ornemental dedans et l'utilitaire externe. Mais c'est intéressant de voir comment il y a des stratégies d'évitement. Parce que bon, j'utilise le mot qu'a utilisé Anna tout à l'heure, parce que bon, elle joue sur leurs apparences. Il y a toute une mise en scène dans la tenue vestimentaire, dans cette façade qui les aide à accomplir leur rôle, leur posture, leur gestuelle, etc. Et là, c'est intéressant parce qu'on est amené, c'est comme si on était amené à entrer dans un nouveau rôle, en fait, quand on se retrouvait à l'extérieur. Et là, c'est un pouvoir, je trouve extraordinaire, de pouvoir mettre en veille ou activer à la demande ou selon les contextes des dispositions en fait, socialement perçues comme féminines ou masculines. Donc, on voit comment, il n'y a pas une cohérence. Hein, on peut jongler entre le féminin et le masculin pour répondre à cette stratégie de résistance. Voilà. Et parlant de jongler, je dis juste un petit truc avant de donner la parole au studio de la radio là maintenant Mancal, c'est que vous avez mentionné au tout début, Leila, que citant Amina qui dit en fait, essayant de définir qu'est-ce que c'est Emra, la femme, dit la première chose au monde sur laquelle tu ouvres les yeux. Et je pense aussi que c'est un des punctum du documentaire, parce que ça ouvre plein d'idées et de perspectives. Je voulais juste mentionner ma mère. En fait, un jour, je l'ai interviewée, parce que j'interviewe aussi mes femmes, soi-disant. Elle me disait, en fait, je pense que aussi les hommes devraient être maternels. Et ça reprend un peu ce que vous dites, non, de la fluidification des rôles. Entre hommes et femmes. Et je trouve que, voilà, on est dans un moment où on doit aussi s'imaginer des hommes maternels. Peut-être qu'ils ne pourront pas être mères dans les sens biologiques du terme, mais s'ils veulent rejoindre la lutte des femmes, entre guillemets, l'émancipation, l'empowerment des femmes, être maternel pourrait peut-être être un bon conseil à leur donner. On se permet de faire un peu les bons conseils radiophoniques. Sur ça, je ne sais pas si on peut encore continuer avec Leila ou alors on passe la parole au studio. Encore une fois, merci beaucoup à Leila pour cet échange si riche et j'espère que c'est le début d'une collaboration en cours. Et je redonne donc la parole à Amina et Fatima au Mancal.
Merci à vous, merci pour cette belle expérience en tout cas. غندير واحد الترجمه خفيفه على الشيء اللي قالت استاذه ليلى. دونك رجعت هي المفاهيم ديال المرئيه ولا مرئيه وكتقول ان مثلا كاع النساء اللي كانوا في الوثائق مثلا امل مريم كتلبس حوايج رجال باش تغني, امينه كتخنزر في الزنقه وكتمشي طالع على الزف, ما عرفتش شكون شي وحده من الامهات الاخرين كتمشي بحال شي عسكري. هادو كاملين واحد استراتيجيات ديال المقاومه والتجنب اللي خلقوهم النساء باش كيحميو راسهم. وهذا الشيء كيبين لنا اننا نقدروا نمشيو بسلاسه ما بين الذكوري والانثوي, وهذا الشيء كامل كاستراتيجيات المقاومه. فاطمة, واحد السؤال بغيت نسولو لمريم الملقبة بالسواد, كيفاش كتحسي كامرأة وكتغني في جامع ساحة جامع فنا وانتي في نفس الوقت لابسة اللباس الرجال؟ السلام عليكم, شكرا لكم وشكرا للاستضافة, شكرا للناس كي تفرجوا معنا. بالنسبة لمريم كي كنقولوا حنا واحد المثل تيقول إذا تبعتي هضرة الناس ما تخرج حتى على باب الدار ما تخرجش عليها. مريم لبسات لباس ولد من 1975, يعني باقية ديك النظرة على البنت تخرج من الزنقة تخاف والمغرب ما تلقاش لي المرأة في الزنقة. هادشي من 1975 كنا كنشوفو هادشي, المرأة ما كانش تتواجد. ولكن مريم السواد خرجت من الرحبة القديمة للساحة, خرجت بسبرديلة والسيرفيت والتخنزيرة, إذا ما خرجت عينيك راه ما درتي والو. بالنسبة للمرأة وجامع الفنا غابة, حيت جامع الفنا فيها عدة طرق, الطريق اللي بغيتي كاينة. أنا شديت هذا الطريق, ما كاين السلام عليكم ولا زاوية السواعد هذا عندك هذا اللي بغي يدير شي حاجة تقول لي عندك راه شوكة ما تحيدش منك. حيت حنا المراكشيين علاش ما شفناك نتبعوك, غير شتناك على اليسر شتناك مقودة وهزة لفاس راه طلعتوك باتساع. تما غرست رجلي في وسط الساحة وتمت عليا السواعد في وسط الساحة, من السوق السواعد جايه تجري حتى الساعه, من الصنعه للفن, حيت الصنعه راه هي الفن, الصنايعي راه هو فنان. من هاديك من السوق لجامع الفن براس التراسي كنخرج من باب الدار ما كاين السواعد. كي دايره بخير راه كاينه هذيك السواعد, ولكن ديك كي داير ما كايناش, كي داير لاباس عليك كلشي بخير, يعني كي انتوك عارفينك, ولكن ها السواد تيزا هيا اجي نمشيو لعند هذيك الحلقه فيها هذيك البنت, هي كاين واحد حساسيه مني كيضروا بيا الناس كيبقاو كيتنعتوا هذيك بنت, اجي تشوف واحد الحلقه راه فيها واحد البنت والله علاش والله لا عقتي بها والله الا ان تيجي عندو كاع هذاك وتيوقف أنا والله إلا تقول لي أنا تقول لي سمع الصوت سمع شوف الهضرة ديالنا تيتخلخل لي راسو إلا ما خصو يقعد معايا في الطبلة ونعطيه لاكارت ديالي عاد يعرفني واش فهمت ولا لا. يعني أش نقول لك غير اجتهدتي وتجندتي, راه المرأة راه هي كل شيء, شتي المرأة قادرة دير أي حاجة
راه كاينين عيالات اللي كنعرفهم انا دابا تيخرجوا يضربوا تما راه الراجل ناس في الدار دروك حاليا المراه هي كل شيء انا كنخرج ما كاين تا كاين ديك تنعيطه وكاين هذيك راه هي راه هذيك ولكن الا تبعنا هذاك الشيء راه ما غنديروا والو كنخرج كنغني كنجمع الناس زيد اخويا زيد انت اللي فيه شي بطل انا اللي تنوقف عليه ها هي جايه ليا زيد زيد يلا ما كاينش بحال تنوقف عليه بحال اللي وقف عليه شي حاجه اما يتقود ويوقف يتفرج كيف الناس كان الناس اما فيه البساله تياكل العصا من عندي انا ومازال كيمشي عند الناس المهمين هادي الا ما كي تنقولوا لها احنا الحضور تيكون الحضور ديال المراه كيف ما تكون نوعها الا وجبات الحضور ديالها في المعقول كتشوفني كنتحرك تقول هذيك البنت راه خاص واحد مسكينه كتحرك باش تي واحد الطريف ديال الخبز كيف ما يكون ومني مني تنكمل حلقتي كنخلي هذاك الشيء كنهزو وكنحطو في وسط الحلقه ديال الساحه تنحطو وتنزيد تنقطع الشانتي ما باقيش تنعرف هذاك الشيء ديال الزعافنا تنولي تنفكر في محلي ووليداتي كنمشي ما كيقيسني حد وبقات هذيك هي النظره ديال السواد ماشي نظره مراه راه هي مراه هذيك راه هي مراه هذيك ما بقاش تيجي كاع شي حد السواد اخويا السواد اخويا السواد ما بقاش ديك مريم مريم يلاه حدا باب الدار لداخل صافي من باب الدار خارج باب الدار كاين السواد ولا هادي يمشي ما القمر هكا انا دايره والحمد لله مرضيت الوالدين والحاجه اللي بغاوها والدي راه كنت نجيبها لهم من جامع الفنا وماشي من شي حاجات الخايب وماشي من شي حاجه ديال الحرام وراه الناس كتعرفني وكلشي تعرفني وراه كلشي راه الحاجه اللي مهمه في الدنيا راه المراه يمك وامي واختي وخالتي وجده وعمتي هي الدنيا المراه هي الشيء غني كنقول هاي المراه اللي فات الزمان هي الشيء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Je vais essayer de traduire ce que disait Mrim. Alors, donc, bon, j'étais personnellement très touchée par ce que Mrim disait et comment son parcours remonte en 1975 où elle a commencé à se présenter comme un homme dans l'espace public. Et je ne voulais pas dire le mot travestir, je le trouve problématique. Mais comment, en venant, elle a appris avec des artisans, elle faisait de l'artisanat, et puis elle est devenue artiste de performance dans la place Jamel Fna, et elle s'est toujours présentée comme un homme. Mais en gros, Mariam, c'est une grande féministe par rapport à ce qu'elle dit, et elle dit qu'elle était toujours dans la lutte pour gagner son pain, dans une lutte honorable et qu'elle ne se laissait pas faire. Mriem dit aussi que c'était très dur de vivre, de travailler dans la place Jamel Fna et qu'elle n'a jamais fléchi. Elle était très dure avec tout le monde, comme ça on l'a respectée. Elle savait mettre... les limites, même pendant la halqa, c'est elle qui faisait face aux comportements un peu débordants. Mriem dit que quand elle est chez elle, c'est Mriem, c'est une femme, elle a ses enfants, elle a une existence propre, mais quand elle est à la place Jamel Fna, c'est Souad. Elle embrasse complètement cette identité-là. Elle trouve pas que les deux s'entrechoquent ou bien elle est en paix
par rapport à ses différentes identités. Elle n'a pas peur. Elle se sent forte. Elle croit beaucoup dans le pouvoir des femmes. Elle croit beaucoup que... Elle croit que les femmes peuvent faire beaucoup de choses et que, qu'il suffit d'être ferme et de se battre jusqu'au bout. J'espère que j'ai bien transmis ce qu'elle a dit. Shukran, Mrim. السؤال غادي نسولو الان هو الله سبحانه وتعالى خلق لنا خمسه الحواس ان اختارت السمع علاش بالضبط اختارت السمع واش كتفكر باقي تدير شي حاجه اما على البصر ولا على الشم ولا على الذوق هذا هو السؤال ديالي الان دونك انا Amina dit que bon, Dieu nous a dotés de cinq sens et tu explores plutôt l'écoute et l'ouïe. Pourquoi cet intérêt et est-ce que ça ne t'intéresse pas dans le futur d'explorer les autres sens Je m'excuse, mais je n'ai pas trop entendu, je n'ai pas bien entendu Rim. Que vous pourriez me dire la question. Bien sûr. Là, tu m'entends? Oui. Mieux. Très bien. Donc, Amina demandait, elle demandait par rapport à ton intérêt, pour le son, pour le travail sur le son et sur l'écoute. Je traduis ce qu'elle dit. Dieu nous a dotés de cinq sens. Pourquoi tu choisis l'ouïe et est-ce que tu n'aimerais pas explorer les autres sens dans d'autres travaux? Mais en fait, je crois que si on travaille avec l'écoute, on travaille aussi avec les autres sens. Peut-être pas de manière frontale et directe, mais quand j'écoute quelqu'un à la radio, souvent je l'imagine, donc je les vois. Ça peut m'arriver aussi de les sentir, mais ça c'est plus difficile, j'avoue. C'est-à-dire que pour moi, en fait, plus que de l'écoute, plus que la dimension strictement physique des sons, ça m'intéresse qu'est-ce que l'écoute peut provoquer. Qu'est-ce que l'écoute peut déstabiliser, c'est que l'écoute peut provoquer. Je trouve qu'en fait, si tu veux, pour les dire vraiment en deux mots, quand on est très fort éduqué à voir, on a une alphabétisation avec les images qui fait que quelque part on est beaucoup moins libre, si on peut dire ça. Tandis que quand on écoute, ce n'est pas qu'on est à l'abri des stéréotypes et de a priori, parce que quand même, on est loin de là, mais je trouve qu'on a une marge d'imagination et donc d'activation de nos subjectivités que c'est beaucoup plus importante quelque part. Et donc, à moi, ça m'intéresse vraiment ça. Et je crois aussi que l'écoute, quelque part, peut aussi faciliter une proximité qui parfois est plus difficile avec les images. Je fais un exemple tout bête encore une fois. Par exemple, une fois, j'ai travaillé dans une prison avec cinq personnes qui étaient détenues. Je crois que si j'avais fait un documentaire visuel avec leurs images, cela aurait pu parfois aussi pas générer une empathie que, par contre, leur voix, leurs chansons pouvaient générer. Je pense que voilà, quand on écoute, on est quelque part plus libre et on a plus de possibilités de s'approcher, à ce qu'on entend. Donc Anna disait que elle sait pas si elle va. Alors Anna, qu'est-ce que Anna? انا ما عرفتش واش بالضروره غادي تخدم
للحواس الاخرين ولكن هي كيهمها كتهمها حاسه السمع حيت ماشي حيت السمع ولكن حيت السمع كيحدث واحد الاشياء يعني هي اللي كتهتم به هو النتائج ديال الحوايج اللي كنسمعوا علينا وكيفاش كيغيرونا ولا كيفاش اشنو كيخليو باش كيخليونا نحسو يعني الردات ديال الفعل نتاع الناس على داكشي اللي كيسمعوا السمع كذلك كتقول لنا ان احنا مولفين كنشوفوا حنا في ثقافات كاملين بصفه عامه كلشي كاع الاشياء البصريه كدوز اكثر وحسن ولكن السمع كيعطينا واحد الابعاد اخرى اللي من غير البعد الجسدي ديال الصوت كيخليونا نوصلوا لواحد الوحده مع الاشياء وكيخلينا نكونوا احرار اكثر في التاويل ديال الحوايج اللي كيوصلوا لينا فاطمه دابا غادي ندوزو شكون عندها شي سؤال من الحاضرين اللي معنا تسولوا الريم ولا الفرانسيسكا ولا انا Qui a des questions pour les intervenants, pour Anna, pour... Là, ma canche est sous elle, Amina Wibrin a tsoul Francisca. Donc Amina va demander une question à Francesca. Francesca, علاش قلتي لأن ريموندا بأن تخدم مع الأمهات الموهوبات في مجال ديال السمع. Donc la question c'est pourquoi tu avais pensé à Anna pour travailler avec les mamans, pourquoi tu l'avais invitée, c'était quoi l'intention derrière cet atelier d'un point de vue curatorial? Cette question. J'ai pensé à inviter Anna parce que je connaissais le travail qu'elle faisait depuis quelques années dans le cadre de son doctorat avec différents groupes de femmes dans différentes géographies et contextes, en Belgique où elle habite, mais aussi en Amérique latine, etc. Et je savais aussi que quelque part, qu'il avait beaucoup d'intérêt à explorer autrement et, comme elle disait tout à l'heure, à décolonialiser son propre féminisme aussi par rapport au Maroc. Et du coup, d'une part, je me suis dit que la rencontre avec les mamans aurait été quelque chose d'extrêmement puissant et intéressant pour elles, d'une part. Et de l'autre côté, moi-même, quelque part, je me suis un tout petit peu formée à la notion de l'écoute à partir de la rencontre avec Anna. Et donc, je voulais partager un peu cette expérience avec les mamans, ou voir si ça leur parlait. Donc, Francesca, فكرت في Anna, حيت Anna في خلال عملها الفني والثقافي كتخدم مع بزاف ديال النساء من دول مختلفة ومن خلفيات مختلفة وماشي غير في بلجيكا فين هي عايشة. وأنا كذلك كتحاول تحرر نضالاتها وأفكارها النسوية من الاستعمار. هاد الشيء خلا فرانشيسكا تهتم حتى بال الخلفية المفاهيمية ديال العمل الفني تاع أنا. وكذلك أنها فكرت أن اللقاء مع الأمهات الموهوبات غيكون قوي وغيعطي شي حاجة زوينة بزاف. وحاجة أخرى هو أن فرانشيسكا اكتشفت السمع والاستماع مع أنا من خلال العمل ديال أنا اكتشفت القوة ديال السمع والاستماع.